Bonjour, vous pouvez descendre si vous voulez. Bonjour. Bonjour, ce matin, hier du moins, on m'a dit qu'il y avait en fait la possibilité, si on n'était pas forcément pêcheur, c'est-à-dire pêche à la ligne, j'entends bien, hein, oui. qu'on pourrait venir chez vous pour éventuellement se faire une idée de ce qu'est la pêche, c'est ce que vous proposez en fait. Voilà, la pêche artisanale professionnelle. Voilà, expliquez-nous un petit peu votre action, là, ce que vous proposez aux gens qui viennent vous voir chez vous. Là. Alors, en fait, quelques bateaux dans le Var ont eu la possibilité, l'autorisation, suite à des visites de sécurité, de faire du pescatourisme. Donc l'autorisation de mener deux personnes au maximum sur notre navire, notre bateau, qu'ils soient majeurs ou accompagnés d'un tuteur, et suivre la journée d'un pêcheur professionnel. D'un pêcheur professionnel, d'accord. J'ai vu ça sur le site, donc il y a un site, pescatourisme, c'est ça. Tout à fait, pescatourisme. Et vous êtes dans la région, vous êtes plusieurs à faire ça? Voilà, nous sommes 8 bateaux dans le Var. D'accord. Et le Var est le département pilote, c'est sous la tutelle de l'association Marco Polo, que Rémi Bélia mène très bien. Et avec aussi le partenariat des affaires maritimes. D'accord, là on est à Bandol et vous avez à Sanary par exemple, il y en a un, il y en a où Alors il y en a à Sanary, il y en a au Brusque, oui. Il y en a à Saint-Raphaël, d'accord. Dans ces régions-là, il y en a 8 en tout. Alors dites-moi, là, je suppose que c'est pas gratuit ce que vous proposez. Là. Non, ce n'est pas gratuit. Alors les tarifs sont imposés, dans tous les cas, ont été mis au point par les pêcheurs et les affaires maritimes, ils seront imposés pour tout le monde à 60 euros par personne. 60 euros par personne, j'ai vu c'était pour la matinée là. Pour la matinée. Avant le lever du jour, on envoie les filets à Rouget ou les filets à Merlan. Et ensuite. C'est-à-dire avant le lever du jour. Il faut venir avant le lever du jour sur le bateau. Il faut venir avant le lever du jour sur le bateau. D'accord. Pour certains pêcheurs, d'autres pêcheurs partent plus tard, d'accord, après le lever du jour et rentrent plus tard. Il faut compter jusqu'à 6 heures de navigation. D'accord, très au bien. Maximum. Et j'ai vu que c'était tous les jours sauf. Là, en ce qui me concerne, c'est tous les jours sauf le samedi, parce que le samedi j'ai une grosse vente de poissons. D'accord. Donc je ne suis pas disponible pour aller à la pêche. La raison elle est. C'est toute simple, hein, c'est voilà. Une raison personnelle. Et la question que je posais là, sur le blog, la pêche, le produit de la pêche, il va où? Si on pêche des poissons. Imaginons qu'on ait de la chance et qu'on pêche des poissons. Oui. On fait quoi avec les poissons? Alors les poissons, vous ne... Nous, on n'en bénéficie pas. Vous n'en bénéficiez pas. C'est vous qui les gardez? Je les garde pour les vendre. C'est un petit plus, d'accord. Si vous voulez, c'est un petit plus. On a quand même quelques contraintes en ayant des passagers à bord, on a des explications c'est sûr, à donner. Donc on va, entre guillemets, perdre un peu de temps lorsqu'il y a des passagers supplémentaires. Et en contrepartie, on se fait payer pour cette raison. D'accord. Mais enfin, moi je vous dis mon sentiment. Hein. Ce serait sympathique de pas forcément de donner le produit de toute votre pêche. Imaginez que vous pêchiez 3 tonnes de poissons, là. Mais de donner, je sais pas, de proposer aux clients. Oui. Vous devez le faire certainement. Voilà, exactement. Hein. Alors exactement. Les quelques expériences que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, le client ne repart jamais les mains vides. Voilà. Il y a toujours un poisson qui est mangeable, qui est peut-être pas forcément vendable, mais qui est très bon. Voilà. Alors on lui nettoie et on lui prépare, et puis il n'a plus qu'à aller le faire griller. Ça, c'est sympa, ça. Voilà. Il y a aussi la possibilité, parce que bon, moi, c'est vraiment un cas personnel, de manger le poisson pêché, d'aller le manger à un endroit... dans des tables d'hôtes. Ah d'accord. Voilà, donc là c'est... Ce que vous proposez vous particulièrement, voilà, personnellement. Je peux le proposer. D'accord. En plus de la pêche, après aller manger, si on pêche quelques rougies, on peut aller les faire griller. Aller déguster le produit de votre pêche quelque part. Exactement. C'est très très bien. Et là vous existez à Bandol depuis combien de temps là? Alors, j'étais dans les îles d'Hyères jusqu'alors, et maintenant, depuis c'est la deuxième année que je suis dans la prud'homie de Bandol. Vous êtes à Bandol. Et votre activité, vous la débutez, c'est essentiellement là, en période estivale, je suppose, c'est pas l'hiver. Non. C'est toute l'année? C'est à l'année. Mais enfin, d'accord, on pêche pas les mêmes poissons, d'accord, ce sont pas les mêmes horaires. Donc toute l'année, on a des poissons différents, donc on peut accueillir
On peut accueillir du monde mois de janvier comme. D'accord, voilà. En période scolaire, par exemple, pour les gosses, ça devait être. Des adultes, vous disiez vous. Voilà, uniquement les adultes de 12 à 18 ans, il faut qu'ils soient accompagnés de leur tuteur. D'accord, oui, voilà. D'accord. Les enfants peuvent venir avec leurs parents. Avec leurs parents. Mais il faut qu'ils aient malgré tout un minimum de 12 ans. Minimum, oh oui, quand même, un minimum. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, Eric, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. C'est moi qui vous remercie, vous êtes intéressé à. Très franchement, je ne suis pas du tout pêcheur ni spécialiste de la voile, donc c'était sympa comme j'ai trouvé comme idée de proposer ça aux gens Je suis aussi content de participer à ce mouvement parce que je pense que la pêche professionnelle tend à se raréfier. On voit que la relève elle est un petit peu difficile. Il y a quand même des contraintes en plus, il faut maintenant aller à l'école, avoir des diplômes, c'est un coût en plus pour accéder à un bateau. Donc je pense que le faire découvrir, ça peut redonner une... Vous disiez tout à l'heure, vous vendez, donc vous êtes pêcheur, vous vendez les produits de la pêche, vous les vendez sur le marché, les marchés, vendez à des professionnels, en fait sur le marché ou... Je le vends à des particuliers, ou à des restaurateurs. Ou à des restaurateurs, voilà. D'accord. Oui, tout à fait. Très bien. Bah, écoutez, merci encore. Merci à vous. Et puis, bonne saison, et puis peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt. Sur le bateau, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Merci Eric, merci. Allez, merci. Au revoir. Au revoir.